D'abord, c'est super. Tu n'as pas goûté ça là. Ah. Attends, quand ça sera prêt, toi même tu seras vieux. Je m'appelle Martina. Je suis à Sakassou. J'ai 32 ans et 3 enfants. Ça me fait 9 ans ça. Martine n'est pas seulement belle. Elle est gentille, charmante et très accueillante. Sa cuisine, c'est un art, a pris de l'autre côté de la frontière en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'elle est revenue, elle a décidé de s'implémenter ici, à Saint-Cancé, dans le canton de Saint-Cancé de la même préfecture. Chaque jour, elle et sa petite-fille s'activent pour servir aux clients une cuisine naturelle faite à base de choses locales. Martine est si fière de ce qu'elle fait puisqu'elle gagne sa vie. Alors que les poulets sont au feu, Martine y goûte. Voilà l'art de savoir si c'est bien fait. Il faut commencer d'abord par se nourrir, par prendre le goût. En plein cœur de la ville, Martine cuisine chez elle. Elle envoie les commandes et elle-même répond aux demandes de ses clients. C'est maintenant que je suis dedans, depuis mon enfance. J'arrive depuis en Côte d'Ivoire. Arrivé ici, je vois la situation, ça ne va pas et je me suis jetée dans ça. Les choses ne vont pas et je me suis rejetée dans ça. Quand même, ça va. Quand même, je m'arrive à sortir dans ça. Les poulets, souvent, c'est 10 et 20. J'achète. Souvent, ça à 2500, souvent, ça à 3000, souvent, ça à 4000, ça dépend. Quand même, j'ai assez de clients, je ne sais pas, je ne peux pas citer les noms. Les hommes. Ah, les hommes aiment beaucoup, que j'aime beaucoup ma musique. Ça fait que ça marche, moi, ça marche quand même un peu mieux. Waouh! Quand même, ce que j'ai, je vais dire aux femmes de se battre, de ne pas rester toujours à la maison, compter sur les hommes. Sur les hommes. Je vois que moi, avec mon commerce, ça m'arrange. Les hommes, mon mari n'est pas ici. Quand ça ne va pas, ça va, ça, je prends pour me soutenir. J'ai besoin d'aide beaucoup, beaucoup. Parce que j'aime beaucoup l'élevage. Mais c'est moi qui me manque. Avec le travail que je fais, c'est l'élevage. Si j'ai un projet comme ça pour faire un élevage, je vois que ça pourrait m'arranger beaucoup. Donc j'ai besoin d'aide pour le côté élevage et pour pouvoir évoluer mon commerce. Ah, je ne sais pas. Ce qu'on me donne, à peu près. Je suis un mendiant, ce qu'on me donne. Je suis de 300 à 400 000, je crois. Que... Parce que ça là, pour faire, il faut avoir un terrain spécial. Tu vois, c'est ça le problème. Il faut avoir un terrain spécial pour évoluer le commerce. Bon, s'il n'y a pas un terrain, tu es en location, comment tu vas faire? Donc, tout ça là, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas quoi dire.